Corinthiens 10 à partir du verset 23, l'apôtre Paul déclarait « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Suite à cette assertion, il y a une question au cours de laquelle nous allons épiloguer, qui est celle de savoir « Est-il permis à des chrétiens d'aller dans des boîtes de nuit ?» Ainsi dit, nous aurons tout au long de cette émission le temps d'apporter des arguments essayant d'approuver ou de désapprouver cette assertion. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec ma sœur, mais avant de lui passer la parole, je vais commencer par me présenter. Je suis votre humble serviteur, le frère Consti, et je suis accompagné de ma sœur à qui je donne la parole afin de se présenter. Alors, ici Dominique. Votre âme servante, nous sommes aujourd'hui, une fois de plus, réunis sur ce plateau pour pouvoir parler d'un sujet assez houleux, comme mon frère Consti l'a énoncé. C'est un sujet qui est sur la table de tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens. Alors, nous allons parler de « Un chrétien est-il autorisé, d'aller en boîte de nuit ?» Alors, je vais laisser la parole à mon frère Consti, bien entendu, qui va commencer. Ok. Avant tout propos, j'aimerais vous dire que vous nous suivez par le canal de la chaîne GLC TV, à laquelle je vous demande de vous abonner massivement, de vous abonner vivement et de souvent nous encourager, car vos encouragements nous permettent de rénover dans notre manière de travailler, de nous perfectionner encore un peu plus de jour en jour dans notre manière de travailler. Donc, l'adresse de la page est GLC TV. D'où que tu sois, voilà, tu sais que cette émission te bénit, tu sais que cette chaîne est susceptible de t'apporter des réponses face aux multiples questions que tu te poses. Je t'exhorte à te connecter. Ok, donc, nous allons rentrer de plein fouet dans le vif du sujet. Est-il permis à un chrétien d'aller dans des boîtes de nuit? Je crois que à cette question, si nous venons ici pour vous répondre de façon tranchée, nous serons en train de faire fausse route. Nous ne serons pas en train de résorber une question, un problème qui gangrène la société. C'est pour cela que tout au long de cette émission, vous remarquerez que nos avis ne seront pas tranchés. Nous ne dirons pas oui de façon absolue et nous ne dirons pas non de façon absolue. Nous essaierons de venir ici pour établir le juste milieu, et ce juste milieu qui, je crois, permettra à plus d'une personne d'avoir des réponses concrètes. Et nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence. Nous nous appuierons sur la parole de Dieu, sur des exemples bibliques pour étayer nos propos. Donc, à cette question, je commencerai par dire que il peut être permis à un chrétien d'être en boîte de nuit, sinon d'aller en boîte de nuit. Mais quelqu'un pourrait me poser la question, dans quelle optique est-il permis à un chrétien de se retrouver en boîte de nuit? Et c'est de cette question que je dirais que le chrétien qui se retrouve en boîte de nuit ne doit se retrouver en boîte de nuit qu'avec objectivité. Car si l'objectif
avec lequel il se retrouve en boîte de nuit n'est pas un objectif sain, n'est pas un objectif ludique, le chrétien peut faire fausse route. Parce que il est bon de préciser ici que les boîtes de nuit sont des lieux de débauche extrême. Donc, si un chrétien va dans un lieu de débauche extrême, ça doit être avec un objectif bien ciblé. Et c'est cet objectif-là qui permettra à ce que, même en se retrouvant là-bas, il ne perdra pas son identité de chrétien. Donc, avant que de prolonger, je vais donner la parole à la sœur Dominique, qui va nous dire ce qu'elle pense de la question. Alors, dans le même ordre d'idée que mon frère Consti, alors nous allons répondre comme ça avec le verset de Matthieu 9 au verset 11, où les pharisiens étaient en train de poser la question aux disciples de Jésus, mais pourquoi votre maître va manger ou du moins se retrouver au milieu des gens de mauvaise vie? À l'époque, les gens de mauvaise vie étaient des gens qualifiés, ayant une vie compliquée. Et c'était des prostituées, c'était des débauchés, c'était des gens qui vivaient une vie assez libre, une vie de débauche assez poussée. Alors, lorsque Jésus se rend dans ce milieu, c'était bien entendu avec un objectif précis, comme mon frère Consti l'a bien énoncé. Jésus avait l'intention de sauver des âmes. Lui, il n'allait pas se réjouir avec les gens de mauvaise vie. Il n'allait pas mener cette même vie qu'eux. Mais Jésus l'a bien énoncé en allant les voir. Il a dit que ce ne sont pas les gens qui sont bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les gens qui sont malades. Donc Jésus, à ce moment-là, c'est comme ça une figure, c'est une façon de parler. Jésus considère des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui n'ont pas Dieu dans leur vie, comme des gens qui sont malades, qui sont loin de l'amour de Jésus. Et donc, il voulait sauver ces gens. Bien entendu, il faut dire que Jésus, en venant sur la terre, il est venu dans l'intention de s'offrir lui-même en sacrifice pour que le monde entier soit sauvé. Et Jésus ne condamne personne. Il ne va pas rejeter une personne de mauvaise vie en disant que toi, tu as une mauvaise vie, moi, je ne veux pas. Non, Jésus accueille tout le monde. Les gens de mauvaise vie et les gens de bonne vie, si on peut dire ça comme ça, cela veut dire que Jésus est venu sauver le monde entier. Voilà pourquoi il était prêt à aller dans des lieux malsains, considérés comme malsains, pour atteindre un type ou une catégorie de personnes. Alors oui, le chrétien est permis d'aller dans les boîtes de nuit, mais avec une intention précise. Et surtout, pour se rendre comme ça dans un lieu comme des boîtes de nuit, il faut avoir un certain niveau spirituel assez élevé. Voilà, donc il faut pas s'amuser avec sa propre foi. Donc ne va en boîte de nuit qu'une personne qui a un certain niveau spirituel assez aguerri, parce qu'il a l'intention, par exemple, de suivre une personne, une âme qu'il est en train de vouloir récupérer depuis un moment. S'il a été invité par cette âme, et bien entendu, il peut accepter l'invitation de cette âme pour pouvoir, capturer l'attention de cette personne. Parce que tenez-vous bien, lorsque les non-chrétiens nous invitent, vont t'inviter dans un lieu qui est dit un lieu malsain, ils veulent parfois voir ta réaction, voir si toi, le chrétien, tu es capable de descendre jusqu'à son niveau. Et bien entendu, Jésus voulait, son intention, c'était sauver des âmes. C'était sauver ces prostituées, c'était de sauver ces débauchés, c'était de sauver des gens qui dépendaient de la drogue, qui dépendaient de la boisson. Parce que Dieu, Jésus lui, ne condamne personne, au contraire, il veut que toutes ces personnes puissent venir à lui. Donc il fallait pénétrer dans ces lieux, et bien entendu, donc le chrétien qui a ce niveau peut aller en boîte de nuit dans cet objectif-là. Non pas pour fréquenter le lieu, mais pour aller récupérer une certaine catégorie de personnes que Dieu veut sauver. Et pour arriver à ce niveau, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas de l'amour pour les âmes de Christ. Parce que en réalité, si nous prenons la décision de faire certaines choses dans l'optique de ramener des âmes à Christ, c'est parce que pour Christ, nous avons un amour réel. En réalité, Christ n'était pas obligé de se sacrifier
pour nous. Christ n'était pas obligé de prendre la décision de quitter de son trône où il était avec son Père, venir sur la terre, subir tout ce qu'il a subi pour nous. Mais il l'a fait parce qu'il nous a manifesté son amour. Et si Christ nous a manifesté son amour, ça veut dire que nous aussi, en retour, nous devons pouvoir manifester l'amour pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore accepté Christ. Et l'amour se manifeste aussi par des sacrifices. Si pour toi, aller en boîte de nuit est un sacrifice qui peut contribuer à sauver une âme, le ramener à Christ, c'est un sacrifice à faire. Mais c'est un sacrifice à faire avec des garde-fous. Comme ma soeur le disait ici, il faut te rassurer de ton niveau de vie spirituelle, de ton niveau de spiritualité. Parce que en effet, au lieu de partir pour sauver, pour convaincre quelqu'un que Christ est bon, tu peux te retrouver, à cause du fait que ta vie spirituelle ne soit pas une vie assez enflammée, tu peux te retrouver à tomber. Et au lieu que ce soit toi qui pars sauver la personne, le monde pourra te servir. Et c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment, mais alors là, vraiment faire attention. Et nous devons préciser que nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos efforts de sainteté, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte que certaines personnes avant nous, qui avaient déjà reçu Christ avant nous, se sont mis à nous parler de Christ, se sont mis à nous enseigner, à tel point qu'aujourd'hui, nous, nous réalisons que nous devons aussi agir de la même manière que les gens ont agi pour nous par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous devons agir vis-à-vis des autres afin que ces personnes-là aussi fassent la rencontre du Sauveur. Ouais. Yeah, donc, il faut aussi notifier que Jésus lui-même l'a dit. Il dit que je suis venu dans le monde. Mmh. Je suis venu m'offrir moi-même en sacrifice. Je suis venu sauver le plus grand nombre. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, allez et faites des disciples dans le monde entier. C'est-à-dire que Dieu, lui, ne limitait pas sa sphère des personnes qui doivent être sauvées seulement en Israël. Dieu voulait atteindre tous les coins de la terre. Et il veut atteindre toutes les catégories de personnes. Et ça se voit avec la Marie de Magdala, qui était une prostituée, qui est venue vers Jésus, et Jésus l'a sauvée. Jésus l'a regardée avec des yeux d'amour et il lui a dit, va, ton péché t'a été pardonné, va, ne pêche plus. Mais elle a été sauvée à cause de l'amour de Jésus. Donc, bien entendu, c'est par là que Jésus va atteindre le plus grand nombre de personnes, par l'amour que nous lui présentons au monde entier. Ne condamnons pas. Nous pouvons aller dans les bois de nuit, effectivement, pour un objectif précis, celui de sauver une âme que Dieu veut absolument sauver. Ok. Avant que de continuer dans le vif du sujet, avant que de prolonger avec nos arguments, nous aimerons vous parler d'un programme important qui arrive, qui sera organisé au sein de l'église GLC, Charlotte. Voilà, église dirigée par notre pasteur, le pasteur Marc Chimbo, que nous saluons au passage. C'est un programme dénommé 14 jours de prière et d'adoration. C'est 14 jours au cours desquels nous allons adorer notre Dieu d'une manière assurément différente. Parce que l'essentiel même de cette rencontre, sinon de ces différentes rencontres, seront axés autour de l'adoration. Et comme vous le savez, l'adoration, c'est le monde de l'intimité. L'adoration, c'est le monde de l'époux qui va à la rencontre de son épouse ou de l'épouse qui va à la rencontre de son époux, vice-versa. Donc, il est bien de passer des moments comme ça, car ça permet à plus d'une personne d'être vivifiée, d'être réanimée dans sa foi. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne trouve des réponses que dans l'adoration. Parfois, tu as trop prié. Parfois, tu as beaucoup prié. Mais si tu as beaucoup prié et que tu n'as pas eu des réponses, je peux aussi te demander, et cela avec expérience, je peux te demander de t'asseoir et de prendre la décision d'adorer un peu. Et on verra si
Dieu ne fera pas pour toi le miracle tant attendu. Ok. Donc, nous allons revenir. Nous allons revenir. Ok, je vais donner la parole à la sœur Dominique qui va ajouter quelque chose. Je voulais justement préciser que ce programme en question de 14 jours de prière d'adoration va prendre place à partir du 13 mai au 26 mai à l'adresse qui va s'afficher sur votre petit écran à partir de 18h30 à 20h30. Nous vous invitons tous, si vous êtes ici à Charlotte ou dans les environs, nous vous invitons à venir prier parce que l'adoration, c'est aussi une autre manière de prier Dieu. Nous allons apprendre à adorer pour ceux qui ne connaissent pas et nous allons aussi passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alors, je t'invite personnellement à venir à ce programme qui sera aussi bénéfique pour toi. Ok. Nous allons revenir de plein fouet dans le vif du sujet. Nous avons répondu tout à l'heure à cette question par l'affirmative. Nous avons dit que oui, il était effectivement permis à des chrétiens de se retrouver, sinon d'aller dans des lieux dits boîtes de nuit. Mais à côté de cela, nous croyons que si nous n'équilibrons pas, il y a des débauches qui peuvent émaner de là. Il y a des dérives qui peuvent émaner du fait que nous n'aurons pas équilibré le débat. Donc, c'est dans cette optique-là que je vais me retourner une fois de plus vers la sœur Dominique, qui va essayer de nous dire en quelques mots la nuance qui intervient par rapport à cette thématique, étant donné que nous avons répondu premièrement par l'affirmative. Alors, merci frère Consti. Nous avons répondu par l'affirmative, c'est-à-dire oui, un chrétien peut se rendre en boîte de nuit, mais il y a une condition. Mais de l'autre côté, nous allons dire alors aussi non, un chrétien ne peut pas se rendre en boîte de nuit, ou bien du moins fréquenter les boîtes de nuit. Alors pourquoi? On va poser la question, mais pourquoi vous dites le non? Alors, il faut ici reconnaître, il faut rentrer en soi-même et se dire la vérité. Les boîtes de nuit, ce sont des lieux, il y a beaucoup d'activités. Il y a la boisson qui circule à outrance, il y a les femmes seront vêtues d'une certaine façon et donc cela peut induire à toute forme de séduction. Il y a aussi un certain... C'est un environnement qui est propice à la débauche, à la dérive, à la sexualité. Et donc, un environnement pareil, pour un chrétien qui connaît ses faiblesses, si tu connais ta faiblesse, que ta faiblesse se trouve dans la boisson, tu as tendance à flancher. Si tu bois, commences à boire un verre de vin ou un verre de bière et puis après... Ça va complètement à la dérive. Nous allons te dire non. Alors, dans ce cas, le chrétien ne peut pas se rendre en boîte de nuit. Il faut se dire la vérité à soi-même. Connaissant ses faiblesses, connaissant ton manque, ton bas niveau de spiritualité avec Dieu, si tu es faible spirituellement ou si tu as certaines faiblesses que tu sais qui peuvent te faire comme ça tomber, n'y va pas. C'est le conseil donc que nous te donnons et même Jésus l'a dit. Il a dit que quand tu vois le péché, quand il y a le péché qui se présente devant toi, il faut fuir. Prends tes jambes à ton dos cou et cours, fuis. C'est-à-dire que n'y va pas, sachant que là-bas, tu vas trouver certaines choses qui vont réveiller certaines choses en toi, qui vont comme ça te mettre dans une atmosphère où tu seras prêt à tomber. Bien-aimé, n'y va pas. Alors, je vais donner la parole à mon frère. Ok. Je vais, avant d'apporter mon argumentaire, je vais essayer de partager un verset biblique avec vous que je vais tirer du livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Et la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» En réalité, si on va du fait que les boîtes de nuit sont des lieux réservés à la débauche, ça veut dire que nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention parce que nous avons une identité. Loin de l'objectif premier qui est de partir pour attirer une âme, pour
convaincre une âme que en Christ, tout est possible, nous devons faire attention. Parce que si nous, au lieu de partir là-bas dans cet objectif-là, nous partons avec des objectifs contraires à l'objectif ludique, qui est celui d'aller gagner une âme, nous pourrons faire facilement fausse route. Et si nous faisons facilement fausse route, nous pouvons facilement pervertir notre identité. Si nous sommes chrétiens et que nous sommes conscients de cette identité-là, nous devons agir comme tel et faire attention même au lieu où nous emmenons nos corps. Parce que nos corps, la Bible nous le dit ici, nos corps sont le temple de Christ. Si nos corps sont les temples de Christ, ça veut dire qu'en réalité, nous devons faire attention à eux. Nous devons faire attention à eux, nous ne devons pas les emmener partout, nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi avec eux. Donc, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à ajouter. Yeah. Donc, c'est toujours aussi, toujours dans la même idée, dans le même ordre d'esprit. Tout ce que l'on fait, autour de tout ce que l'on fait, nous devons glorifier Dieu. Nous devons éviter tout ce qui peut contribuer à nous emmener vers le péché volontairement. C'est-à-dire que tu n'y vas pas volontairement, ne le fais pas, ne va pas sachant que là-bas, c'est un lieu qui pourra engendrer pour toi, comme ça, et tu vas commencer à faire des choses qui, bien entendu, ne vont pas glorifier Dieu. Nous savons que là-bas, on fume beaucoup. Les boîtes de nuit, c'est un lieu où on boit beaucoup. Les boîtes de nuit, c'est un lieu où on va rencontrer les femmes. On va rencontrer des choses qui normalement, que Dieu ne veut pas. On va dire ça comme ça. Et ça, le sachant déjà, on a déjà conscience de tout ce qui se passe là-bas. Pour un chrétien, le lieu qu'il fréquente et commence à grandir spirituellement, c'est l'église. Parce que là-bas, la parole de Dieu est diffusée. La parole de Dieu, tu reçois l'enseignement. Mais bien entendu, la boîte de nuit, c'est un lieu où les choses qui se passent, les choses qui sont diffusées, les choses qui sont comme ça engendrées à se passer, ce sont des choses qui vont contribuer uniquement à ce que tu puisses tomber, à ce que tu puisses pécher. Donc, connaissant tes déboires, connaissant tes faiblesses déjà, n'y va pas. Et en plus, comme mon frère Constil a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On n'emmène pas le temple du Saint-Esprit. La Bible dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance où se trouvait la présence du Saint-Esprit n'était pas transportée n'importe où. On ne pouvait pas emmener l'arche de l'Alliance qui contenait la présence de Dieu n'importe où. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce et Dieu dit, nous maintenant, nous sommes le temple de sa présence. Ce même temple, non, on ne peut pas le transporter n'importe où, où on veut, juste parce qu'on le désire. On ne peut plus vivre selon nos propres désirs, on ne peut plus vivre selon nos propres, tu vois, tes propres décisions, je vais aller là-bas et puis tu vas. Non, ça ne doit plus se passer comme ça. Et parce que ça ne se passe plus comme ça, nous devons faire très attention aux lieux que nous fréquentons, aux personnes que nous fréquentons, à ce que nous faisons, nous posons comme acte, nous devons faire très très attention parce que Dieu y tient personnellement. D'accord? Et donc c'est un conseil comme ça que nous vous donnons aujourd'hui pour quelqu'un qui connaît, qui a déjà, qui se dit la vérité, qui sait voir là où il est faible, là où il ne peut pas. Il ne peut pas remonter là où il peut être facilement atteint. N'y va pas si tu sais que tu n'es pas élevé spirituellement. Ne va pas en boîte de nuit. Ok. Alors que nous sommes en train pratiquement d'arriver au terme de cette émission, je vais encore regarder ma caméra et exhorter encore, toi qui me suis depuis ton canapé, depuis ta maison, je vais t'exhorter encore à t'abonner à la chaîne JLC TV, c'est une chaîne YouTube, de liker, de nous laisser des impressions, des commentaires, parce que oui, c'est sur la base de vos remarques, de la base de vos appréciations, que nous aussi, nous perfectionnons de jour en jour. Donc, face à cette question qui est grande, voici le peu de réponses que nous avons essayé d'apporter. C'est une question assez vaste, assez grande. Je crois que si nous devons rester ici à parler de cela,
nous pourrons épiloguer des jours et des jours sans jamais nous arrêter. Voici ce qu'il faut retenir pour ma part, avant que je ne donne aussi la parole à la sœur Dominique, qui va aussi conclure. Voici ce que moi je vais dire. N'oublions jamais que lorsqu'on devient chrétien, on revêt une identité. Et si nous revêtons l'identité de Christ en nous, parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous revêtons alors l'identité de Christ, il y a une manière dont nous devons essayer de fonctionner. Et nous ne devons pas essayer de fonctionner selon notre intelligence, mais nous devons essayer de fonctionner selon les prescriptions de Christ pour nous. Alors, à la question de savoir s'il est permis à un chrétien de partir dans des boîtes de nuit, voilà, nous avons répondu par oui. Mais, nous avons dit que le oui était un oui avec ricochet. Un oui qui avait des réserves, qui émettait des réserves, car le oui est suivi de l'objectivité. Si tu y vas, ok, d'accord, mais il faudrait que tu nous parles de l'objectif avec lequel tu y vas. Loin de cet objectif qui doit être ludique, le conseil que nous te donnons aujourd'hui, c'est de ne pas y aller. Alors, je vais passer la parole à la sœur Dominique, qui va assurément conclure par l'aspect négatif. Alors non, pour un chrétien qui n'est pas encore bien assidu dans sa chrétiennité, disons simplement et nous donnons le conseil simplement de ne pas aller parce que cela va contribuer à ton affaiblissement spirituel. Tu vas rencontrer à nouveau certaines choses, certaines personnes que tu avais déjà laissées derrière toi lorsque tu as commencé ta vie chrétienne, lorsque tu as donné ta vie chrétienne. Alors non, pour quelqu'un comme toi, reconnaissant tes faiblesses, connaissant ce que tu n'arrives pas encore à faire, eh bien, n'y va pas. Alors, nous sommes déjà en train de chuter dans cette émission. Avant de continuer, nous voulons saluer comme ça et remercier et reconnaître certaines personnes qui travaillent derrière la caméra et qui sont à l'origine de cette émission. Nous avons le frère Jules qui est derrière la caméra et toujours aussi présent pour que l'émission soit présentée de manière claire. Nous voulons aussi saluer Pasteur Marthe qui est à l'origine de cette émission, bien entendu, et qui est vraiment comme ça le moteur de cette émission. C'est elle qui permet comme ça que nous puissions venir discuter de ces sujets pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Et nous voulons aussi saluer les membres de l'Église qui sont aussi un soutien incommensurable. Nous parlons de toutes les membres de l'Église. Nous parlons de quiconque soutient cette émission de près ou de loin. Si tu donnes ton opinion, eh bien, tu es un soutien. Alors, nous voulons te remercier et bénissons Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment fasse de vos vies un éclairage pour les autres et que Dieu puisse atteindre la vie d'une personne par vous aussi. Je passe la parole à mon frère Constil. Ok, puisque nous sommes à la phase de salutation, voilà, je vais tout d'abord commencer par saluer les membres de l'église GLC, tous les membres confondus, voilà, et tout en les remerciant pour la chaleur qu'ils apportent à l'église, voilà. Je vais saluer au passage ma fiancée depuis le Gabon, en la personne de Nelly, mes enfants, voilà. Alors, nous sommes déjà en train de chuter et nous vous invitons, bien entendu, nous avons un programme bien établi qui va s'afficher sur votre petit écran. Nous avons l'église ici, GLC, qui se trouve dans la ville de Charlotte. Tous les mardis, à partir de 18h30, nous avons notre culte de famille, nos temps de prière. Nous vous invitons à ces temps de prière. Le mardi, nous sommes ici en train de prier pour nos familles. Le vendredi, nous avons prière d'intercession, toujours à partir de 18h30 à 20h. Et puis, le dimanche, nous avons un culte d'adoration auquel nous vous invitons. Il se passe à partir de 11h45. Donc, nous vous invitons sur place et l'adresse va s'afficher sur le petit écran. N'oublie pas de t'abonner, de liker la chaîne GLC TV, Dieu te bénira pour ça.
Ok, avant de terminer cette émission, nous aimerons revenir sur un sujet qui revêt une importance capitale pour nous. Alors, nous voulons vous parler de la construction. Vous savez, celui qui contribue à la construction de l'œuvre de Dieu sera béni, et pas que lui, sera béni avec ses générations à venir. Alors, nous faisons ici un appel à contribution. D'où que vous soyez, d'où que vous nous suivez, d'où que vous nous recevez, vous avez le fardeau, vous recevez le désir de bénir l'église GLC qui est en train de récolter des fonds pour sa construction. Nous vous prions de bien vouloir avoir la main sur le cœur et d'agir en faveur de nous. Nous croyons que si vous le faites pour l'église, vous ne le faites pas pour l'église effectivement, uniquement. Vous le faites aussi bien pour l'église, mais aussi pour vous, parce que Dieu vous le rendra. C'est Dieu qui est le rémunérateur de tout. Et si une action est posée pour lui, je crois qu'il ne sera pas assez sourd ou assez muet pour dire quelque chose ou pour encore intervenir pour vous d'une quelconque manière que ce soit. Ok. Après cela, nous allons préciser un petit quelque chose. Vous allez remarquer que depuis un moment, nous ne paraissons pas sur Facebook. Assurément, beaucoup de personnes se sont posées des questions via d'autres plateformes. Nous voulons apporter cette précision. Pour des raisons techniques qui n'émanent pas de notre volonté, nous sommes suspendus des activités de Facebook. Mais cela ne veut pas dire que la page est bannie de Facebook, non. Ça veut juste dire que le temps pour nous de régler le problème, nous vous reviendrons assurément plus fort. Donc, restez connectés. Pour ceux qui connaissent le lien, voilà, ça va passer en dessous. Voilà, vous pouvez toujours continuer de vous connecter. Et dès lors que nous aurons la possibilité de reprendre les activités, voilà, nous reviendrons vers vous pour vous signaler. Merci. Thank you.